Chers amis, il me fait plaisir de me, re me retrouver avec vous encore une fois aujourd'hui pour parcourir ensemble l'évangile du troisième dimanche du carême. C'est un texte qui m'interpelle beaucoup, pour surtout au cœur de cette pandémie que nous vivons ensemble. Quand Jésus se retrouve au temple, hein, c'est cette fameuse scène où euh, Jésus entre dans sa sainte colère, où il renverse les tables, où il dit :« Enlevez cela d'ici, incessé de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Je lis ces lignes-là, puis pour moi, c'est comme si la pandémie que nous vivons déjà depuis euh, prochain an là, c'est comme si Dieu venait brasser des choses en moi, comme s'il voulait faire un, un grand ménage, parce que, vous dire, rien n'est normal au cours d'une pandémie, tout est dérangé. Mais je prends cette euh, expérience comme étant une occasion pour que le Seigneur vienne m'interpeller, qu'il puisse vraiment me parler et venir déranger en moi les choses qui ont besoin d'être dérangées et peut-être faire en sorte que c'est l'heure de faire un ménage, c'est l'heure de recentrer mon focus sur ce qui est l'essentiel de ma vie et permettre à, à Jésus lui-même de me dire en quoi consiste ce qui est essentiel. Et donc, ce passage où Jésus demande aux commerçants de la place de hein, vider cette place, hein, Cesser de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Jésus, il considère le temple comme un lieu vraiment sacré. Comme nous, notre cœur, notre âme est aussi un milieu sacré. Et on a peut-être à prendre conscience de ce que nous sommes appelés à, à vivre différemment dans notre vie de tous les jours pour. Tout simplement respecter ce lieu sacré. Quand Jésus euh, fait allusion, euh, il dit détruisez ce sanctuaire en parlant du temple de Jérusalem. Dit, détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. Bien sûr, les juifs de la place lui demandent des explications. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en trois jours, hein, tu vas le relever. On dit, mais bien sûr, Jésus parlait du sanctuaire de son corps. Et le sanctuaire pour Jésus, puis considérant le, le temple, c'est le lieu, un petit lieu au milieu du grand temple qui est consacré à la réserve même de l'arche, de l'alliance. C'est là où le Saint des Saints, là où le prêtre rentre une fois par année pour faire contact avec Dieu, c'est comme un, un grand moment, c'est un lieu très saint. Alors, Dieu, Jésus fait référence à ce lieu-là, le sanctuaire. Détruisez ce sanctuaire et moi, moi, Jésus, je vais le relever. Comme de raison, Jésus fait allusion à ce qui va lui arriver bientôt dans sa mort et sa résurrection. Et il nous invite à contempler euh, que lui-même, sera ce nouveau temple, il sera ce nouveau sanctuaire, il sera ce lieu sacré où nous allons faire une nouvelle alliance avec Dieu son Père. Jésus nous invite aujourd'hui à prendre conscience de ce lieu sacré qui est en nous, ce sanctuaire, et puisque nous sommes unis au corps du Christ par notre baptême, nous sommes unis à son sanctuaire, à ce lieu sacré où là on fait connexion, contact avec Dieu lui-même. C'est ma prière pour vous en ce troisième dimanche du carême. Entrez en contact avec le Seigneur, même si vous n'êtes pas dans vos églises, Dieu est là auprès de vous. À la prochaine.